Ça y est, on y est, enfin sur l'eau pour cette ouverture avec une semaine après le déconfinement, mais le temps qu'est la cour, on y est, on va pouvoir pêcher. Stratégie brochée, et on verra si on trouve quelques perches ou quoi, mais brochée, les cendres ont fini de frayer, l'eau est déjà bien chaude, il a fait un printemps très chaud, donc on va essayer de priorité chercher le brochet, il y a des arbres immergés partout sur les bordures, ça va être top. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, premier lancer. Décalage. Première touche pour Alexis. T'as pris une frappe, Alexis? Oh mec, il m'a décalé le spinner, mais j'ai perdu une paire de tension d'un coup. Oh, c'est bon ça? Oh, c'est pas une seconde. Oh, allez, ça part de là. Ah oui, il m'a mis une paire de tension, c'est con. Alexis, déjà un fiche. L'épuisette, un petit broc. Il a eu une première touche. Hop là, dans l'épuisette. Ah yes, Alexis. Premier fiche spinner. Ça commence bien. Il avait pris une première touche juste avant. J'étais à la GoPro pour enregistrer la touche. Et paf. Le premier fiche. Tiens, tu montres ça. Yes, avec ce beau petit soleil derrière. Premier fiche de la saison. Beau petit brochet au spinner. 24 grammes, palette noire, les fox là. Ouais, c'est le matin, noir, c'est pas mal. Ouais. Et moi je pense que je. Je vais changer un peu. Ils ont l'air de réagir sur de la vibration un peu. Il va plus me parler, toi. Il va plus te parler, non? Ah, ça va être. T'es au spinner, t'as un pattern là. T'as un truc là au spinner. Allez, oh c'est plus. Bien Alexis, joli broc. Jean-Marc. Fichon. Alexis. 2-0 hein. Commence déjà à l'allumer l'autre. T'es au spinner, t'as vraiment un pattern hein. Parce que là déjà, ça commence déjà à enfiler quoi. Fais voir. Encore un joli petit broc, hein? 50. 50, ouais, 50-55. Hein. Oui, je l'ai bien ferré. Ah, lui, tu l'as bien ferré, ouais. Et t'avais mis un premier décalage, hein? Ouais. Bon, stick bait, ça n'a rien donné. Hop. J'essaie quand même quelques coups au spinner et après, je passe au petit camp. Pike là? Hein? Ouais. On va rapprocher un peu plus si tu veux. Ouais, un petit peu. Comme ça, tu pourras rentrer un peu dans la bordure. Oh. Décollage? Ouais. Oh, il est derrière, il était derrière. Oh. Non, petit. Mais j'avais bien eu un décalage. Oh, j'ai pris une tape à descendre. Oh, yes. Il est. Ouais, il a mis une première touche à la descente. Tu l'as vu? Ouais, ça a été une. C'est un coffret. Un ils sont bien là. Hop. Ah yes, premier petit pike de la saison. Voilà. Oh, pas gros hein, mais ça fait plaisir. Il a mis une première touche. Et pouf, deuxième touche, il était piqué. À ras des branches, t'as vu à la descente. Hein.
Un peu plus trouble au bord, non? C'est moi. Ouais. Ouh. Tu l'as vu, cette touche? Tu l'as vu, cette touche, Alexis? J'ai pris une schiste, t'as vu la canne? J'ai pris une de ces touches. Oh, il est derrière. Perche. Jolie perche. Une belle perche. Je l'ai vu arriver dans l'air, dans l'arbre. Hop là. Elle est correcte, ouais. Je l'ai vu arriver dans l'arbre. J'ai fait une pause dans l'arbre. Paf, elle l'a ramassé. Ouais. Un perche, une perche. Voilà. Allez, Jean. Une belle perche qui fait pas, presque 40. On va mesurer, on a la réglette maintenant. Elle fait 38. Ah, presque 40. Ça fait plaisir. Là, elle est sortie des arbres. J'ai posé le spinner sur la branche. Elle l'a ramassé. Trop bon. Trop bon cette action. Je l'ai vu arriver. C'était magique. Loupé, il y a la descente, je l'ai vu arriver. Le spinner, il a atterri dans l'eau, il est venu le chercher. C'était un mini pike. Et vraiment, le truc, ça s'est posé dans l'eau, et là d'un coup, j'ai vu le reflet venir le chercher. À ras de l'arbre là. Là, tu peux aller le chercher, je crois. C'est un peu chiant. Pousse. Une perche. Oh la masta. Elle est fat. Waouh. Cette touche qu'elle m'a mis. Waouh. Elle fait plus de 40, elle. Boum. Photo. Celle-là, elle mérite photo. Coffrage. Après, sinon, tu veux que je la garde à l'épuisette? Boum! Belle perche. Fait combien? Hop. 42. Je la mets à l'épuisette, on fera une photo. Eh bien, voilà, un beau poisson. Je ne vous pas à contre-jour. Voilà, une belle perche. Ça fait plaisir. 42. Repère. Alexis. Allô. Ouais. Tu m'entends? Ouais, Léon. Ouais, j'ai un poisson là. Attends. Putain. Ouais, c'est pas mal. Hein. Posé sur le fond. Ouais, un petit cendre. Ouais.
glissant. J'ai un petit cendre. Ça marche ? J'ai un petit cendre. Voilà. 7 mètres d'eau. Ça m'a ramassé au fond. Hein. Ah, quand même. Ouais, je pense. Ouais, coffret. Ils y sont, ouais. Ouais. Ils y sont. Ah, il est donc bien affûté, lui, le petit. Poisson. Ah, décroché. Une touche rikiki encore. Ah. Ah oh, non, il était beau. T'as vu la touche? Non, mais toi, tu voulais des coquilles. Ah non! Je l'avais ferré et tout quoi. Une belle touche. Tout. J'ai bon, bien mis sur la canne. Moi je passe un peu devant. Je me repose un peu le cul comme ça. Ah. C'est vrai qu'il y a des poissons au fond. Hein. Il y a des poissons au fond. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Jean-Marc. Une riquette. Là, je suis chaud, là. Là, je suis chaud, là. C'est tellement pas bon en linéaire. C'est tellement pas bon en linéaire que... En même temps, c'est blindé d'écho au fond, faut que ça tape. Ah ouais, mais t'en vois partout. Il y en a partout là. Mais vraiment, je plane sans animation, juste au-dessus du fond. Mais vraiment linéaire, sans animation. Ah oh non, décroché! J'étais pas sûr, j'ai fait retarder mon ferrage et j'aurais pas dû. Regarde, regarde-le mon leurre. Plus de queue. Le moindre petit... Ouh, j'ai cru quoi. Ah là j'essouffle moi. Attends, je suis en train de mettre mes plombs magiques. Alors, on met le plomb magique. On enfonce bien. Et hop là, c'est décroché. Ah bah il s'est coincé sur le fil mais il a décroché quand même. Pendu. Je les avais vus poser au fond. Et...
Paf. Ah, rends-moi mon leurre, toi, par contre. Ouais, beau petit sable. Sacré cartouche, là. Pouf. T'as vu comment j'étais? Vertique. Hein. Vertique lente. Je vais tout doucement, là. Eh ben... Oh putain, poisson, il était depuis un moment en plus ce coup. Je pensais que c'était le fond, je fais, c'est bizarre ça, il est bizarre le fond. Une serpie. Je trouvais bizarre le fond. Bon voilà, fin de cette journée d'ouverture qui s'est... Ouais, c'est un peu mitigé. Ouais. Le matin, les brochets étaient bien chauds sur les bordures, on a touché pas mal de petits brocs. Pas de gros, Alexis décroche un joli, mais sans plus, on n'a pas vu de gros brochets. Après, du coup, deux belles perches, c'était cool, dans les bordures, pareil. C'était vraiment sympa, et du coup, l'après-midi, par contre, rien dans les bordures, ça voulait plus du tout. Du coup, on s'est rabattu un peu sur les cendres, des cendres qui étaient déjà bien profonds, qu'ils avaient fini de frayer depuis un moment. L'eau est super chaude, elle est déjà à plus de 17, donc ils ont fini de frayer, ils ont été bien tranquilles, et là, on les trouvait dans entre 6 et 9 mètres. Donc des cendres qui sont pas du tout en frais, sinon en pêchant les bordures on en aurait touché s'ils étaient en frais. Donc voilà, c'était plutôt sympa quand même, on a fait quelques poissons. On verra bien prochaine fois si on arrive à en faire plus. En tout cas on s'est quand même bien amusé. Beaucoup de vent, c'était dur pour le moral, mais bon c'était cool quand même. On s'est bien régalé. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao ciao.